Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle entre sur Tesso. Seulement, il y a une quête qui est à faire dedans que j'ai reçue à l'extérieur qui s'appelle Déjouer l'Alliance. Donc, il faut détruire le cristal et. Enfin, détruire les cristaux, pardon. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, c'est une quête qui se prend en dehors et qui doit se faire à l'intérieur. Mais vu que c'est une alliance, bah écoutez, c'est une entre, bien entendu. Ouh, je vais faire l'entre et puis on se retrouvera à l'intérieur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Allez, à tout de suite. Je vais faire même une petite pause. Hein. Allez, nous y voilà. Donc du coup, ça a pas l'air trop mal. Voilà, je vais faire ça comme ça. On ressort tout comme d'hab. Allez, on est go. On est parti. Alors, qu'est-ce que ça vaut ça? Oui, ça va le faire. Ça va le faire sans problème. Voilà. Tiens, prenons ça. On s'en fout de le purifier. Ça sert à rien quand on fait pas d'alchimie. J'ai toujours l'espoir qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire dans ces sacs. Mais non, il y a que du riocel de merde. Il y a vraiment rien de bien. Il y a jamais rien de bien. Si, enfin, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. De temps en temps, il y a un livre, un bouquin de style, des trucs comme ça, quoi, vraiment cool. Mais c'est tellement rare que. Tu vois, c'est trop lassant en fait, entre le temps où tu découvres quelque chose et le temps où tu fais quelque chose. Voilà, ça c'est fait. Petit coffre comme il faut. Voilà. Ouais, bof. Salut. Content de t'avoir connu. Bah tiens, par là, il y a plein de petits trous. Ah bah tiens, hop. Qu'est-ce que...
Ok. Tiens, j'ai cru voir un bouquin là en haut, non? Si. C'est un bouquin ça. Alors, on sait voir qui travaille sur un truc. L'alliance est du lion. Allumez ça. J'ai bien entendu ce que j'ai entendu, non? En général, je tue les gens qui tuent les gens. Parce qu'en général, ils sont méchants. C'est ça que j'ai cru comprendre, non? Ah, bien! Bien le bug! Bien! Enflammez ça! Putain, je peux plus soigner, je peux plus rien faire! Mais quel truc à la con! Merci la matriarche. Voilà, bordel de merde là. Heureusement que la matriarche était là, hein, parce que... Sinon j'étais foutu. Bon, je peux attaquer là. Ah, voilà, c'est revenu. Bordel, fait chier, hein. Bon, la matriarche s'est sacrifiée, mais moi je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. Merci. Merci beaucoup, ma grande. Merci, merci. Alors. Continuons. En tout cas, du calcinium, je vais en avoir des barres en or. Hein. Enfin, des barres en or. Je vais en avoir des barres, beaucoup, enfin, beaucoup. Voilà, bref, je voulais faire une expression, mais ça n'a pas fonctionné. C'est pas sorti de ma bouche comme ma tête me le disait. Ça arrive souvent aussi. Oh là. Comment on peut encore casser à mon niveau? Comment est-ce qu'on peut encore casser un coffre comme ça? Ah. C'est vicieux quand même. Pendant qu'elle dort, la pauvre. Merde, j'ai tapé sur qui là? Ah putain, ça recommence. Ah, bordel de merde! Ah! Non, ça veut pas, regardez! Regardez, j'appuie sur le putain de truc, il veut pas! Ah, putain! Putain, mais c'est hallucinant, hein! Non, ça veut pas, hein, regardez ça! Il annule à chaque fois là. Ah, c'est putain, ça me saoule ça. Et c'est de plus en plus chiant, franchement. Hein. C'est de plus en plus chiant, ces bugs. Ah oui, d'accord, oui, ça fait plus rien, quoi.
D'accord, ok. Ça, ça fonctionne. Putain. Mais fais chier, bordel de merde. Je peux plus rien faire. Pourquoi je peux plus prendre? Ah bien, bien, regardez ça. Regardez. Et je me démerde comment maintenant? J'appuie, hein. Ah, bordel de merde. Bon, allez, deux secondes, je pose. Bon, ben, je suis bien mort, évidemment. Hein, évidemment, quand t'es en train de chercher dans quelqu'un et que tu te fais taper dessus et que tu peux pas sortir, ben, faut pas s'étonner de mourir, hein. Alors, putain, ça par contre, ils ont intérêt à se bouger le cul avec ces problèmes-là. Sinon ça va, je vais arrêter le jeu, hein. Écoutez, s'ils sont pas foutus de régler les problèmes de gameplay, je vois pas comment est-ce qu'on peut jouer alors qu'on peut rien faire. Donc ça déjà c'est une grosse couille de leur part. Donc ils ont intérêt à vite se bouger le cul pour arranger ce problème là. Sinon je vais leur mettre un gentil message et je vais leur dire le fond de ma pensée. Mais bon, hein. Est-ce que je peux attaquer maintenant? Je peux attaquer, est-ce que je peux mettre mon putain de truc? C'est bon, allez. N'empêche que là j'ai perdu, je suis mort une fois, donc j'ai perdu le truc de l'équipement. Donc voilà. Donc en fait, c'est même pas le gameplay, hein, c'est même pas moi qui perds parce que je joue mal. C'est le jeu qui m'empêche de jouer tout simplement. C'est frustrant et c'est casse-couille. Ça, il y a intérêt qu'ils fassent un gros effort là-dessus parce que sinon ça allait mal. Leur jeu, ils iront se faire foutre avec leur jeu qui fonctionne pas. Voilà. Alors autant j'adore le jeu, là quand il se passe un truc comme ça me gonfle. Mais le truc c'est que j'ai envie de continuer leur jeu parce que je l'aime bien, j'aime le monde, j'aime tout ça. Mais quand t'as un jeu comme ça qui merde et qui refuse de faire ce que tu lui demandes, bah qu'est-ce que tu veux faire? Bah tu vas pas continuer à jouer, hein, tu vas pas te forcer à jouer, faire un jeu qui... Putain, mais pas que ça recommence. Ah non, voilà. Oh là, mais ils sortent de par où là? Y'avait personne. Je suis arrivé ici, y'avait personne. Et là, ils sont 5, 6, 7. Non, je crois même. Ils sont 4. Bon, y'a un de moins, ça c'est sûr. Deux de moins. Trois de moins. Et 4 de moins. Voilà. Allez. Voilà, ça c'est fait. Du coup. Tiens, je crois que j'ai pas lu le bouquin sur le... Il y avait un bouquin là, non? Non, j'ai... C'est moi, c'est moi, je suis complètement... C'est moi, qu'est-ce qui se passe encore? J'ai pas spécialement été voir là-bas. Y aurait-il quelque chose d'intéressant là-bas là? Ah non, je viens de par là. Donc j'ai rien dit, c'est bon, ça va.
Allez, venez. Où est-ce qu'elle est? Putain, mais... Voilà. Alors, du coup, on y est. Il y a moyen de faire tout le tour comme ça. On va déjà aller fermer ces trucs. C'est une bonne chose de faite. Ah, attendez. On va se faire celui-là d'abord. Ça finira l'antre. Du grûle. Elle était mort. Voilà, il est où l'autre? Voilà, caverne d'humus, ça c'est fait. Voilà. Succès déverrouillé. Le sac à dos de magie est vide. On va aller fermer ces portails. Ces portaux, hein. Fermons ces portaux. Voilà. Voilà. Il y en a un autre, non? Les jeux là, on se parlait. Ok, d'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on a fini, je ferai bien juste le tour pour bien être sûr d'avoir tout fait. Ok, un coffre, ce serait con de louper un coffre quand même. Attendez, hop, on va se la faire rapidement. Ouais, d'accord, y'a rien du tout. Ok, bon ben on va pouvoir sortir alors. Y'a que dalle, ok, bon. Alors je me reviens, c'est pour savoir pour que j'ai... Voilà, merci. De ça. Ça c'est la technique de lâche. Mais ça fonctionne alors je m'en fous. Le seul truc chiant avec cette technique, c'est que t'as gros tout et du coup ils te disent qu'en haut. Faites flamber ça. Pour dague filante. Voilà, là par contre ça va être chiant. À moins que. Oh top. Top top. Parce que généralement ils arrivent tous à la porte et du coup Bon allez, à tout de suite. Alors, où est-ce qu'ils sont maintenant? Il est là. Ok, on va vite aller le trouver. C'est bon? Le seigneur... La... Parfait. Merci. Bah écoute, de rien, avec plaisir. Bon ben voilà, une petite tente bien faite. Je sais pas ce que vous en pensez. Mis à part le problème de gameplay de combat, hein, à chaque fois, hein, toujours pareil. Hein.
c'est pas la première fois que ça m'arrive et je pense que ce sera pas la dernière fois que ça m'arrivera. Mais c'est vrai que c'est hyper hippie, c'est chiant quand ça arrive. Je vais essayer de voir ce que je vais me renseigner sur le net, hein, je vais aller voir. Je vais me renseigner aussi pour la lande de Kragen, pour voir comment est-ce qu'on trouve cette fameuse quête. Et puis sinon on fera cela, hein, le nectar de Sombreval dans la langue de Cheogorath. Et puis on verra bien ce que ça donne. Donc les amis, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire. Et à plus tout le monde. Salut, salut!